un tout petit peu flottant et l'arrêt pas très carré. Voilà, donc déjà on peut mettre une assez bonne note parce qu'il y avait une assez bonne rectitude de l'entrée et de la sortie. L'arrêt pas tout à fait bien, donc on est dans le assez bien, aux alentours du 7, un petit peu en dessous peut-être. Cheval très élégant, très actif dans ses quatre membres. En revanche, les postérieurs ne sont pas très en avant des traces. Ils sont plus vers le haut que vers l'avant. Donc, ils couvrent relativement peu de terrain. Donc, on ne pourra pas donner une très bonne note, malgré un trot très expressif. Magnifique vision du cheval de profil, qui est vraiment très élégant, très actif, très aérien. Ça, c'est splendide. On voit bien le croisement du cheval, qui est très régulier, qui a beaucoup d'amplitude. Là, le cheval aura donc, pour ce mouvement-là, une très bonne note. Même chose, il reprend les mêmes qualités, c'est symétrique par rapport à l'autre côté, donc ça aussi c'est un bon mouvement qui est aux alentours du 8 pour un juge de dressage international. Pas tout à fait engagé, il s'est même un peu campé. En revanche, regardez un beau reculé avec une amplitude dans les pas et un bel équilibre. Donc on modérera à cause du reculé, mais sinon, à cause de l'arrêt, pardon, sinon, belle amplitude. Même commentaire que sur le précédent trot allongé, c'est-à-dire grande activité, mais plus vers le haut que vers l'avant. Donc, il n'aura pas une très bonne note parce qu'une couverture de terrain n'est pas suffisante. Mais quelle élégance, quelle énergie. Vraiment un cheval magnifique. Très aérien, une belle note pour ce passage qui est aérien et très régulier. Il rentre bien dans le piaffé. Le piaffé est actif, il est bien diagonal. Pourrait avoir la croupe un petit peu plus basse pour être plus classique dans son piaffé, mais c'est quand même un piaffé qui est de bonne qualité, avec des transitions qui étaient de bonne qualité. Ce passage est aussi bon que le premier. Tiens, on voit que le cheval se berce un petit peu dans ses postérieurs. Ça baissera un tout petit peu la note pour ce que l'on a vu là. Ça, c'est magnifique. On voit un cheval qui a un pas avec une grande amplitude, une grande décontraction dans sa ligne du dessus, qui est très régulier d'un bout à l'autre. Bon, là, il a regardé quelque chose, ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'il est retombé immédiatement dans les aides. Donc pour ça, une vraie bonne note, c'est magnifique. Là, c'est une très jolie transition au pas rassemblé. On voit le cheval qui s'est grandi devant tout en gardant le rythme et cette légèreté, cette belle légèreté du contact. Là aussi, même si on voudrait le cheval un petit peu plus fermé devant, ça c'est une qualité d'avoir un cheval qui s'est bien remonté et qui reste parfaitement régulier. Donc une bonne note aussi pour ce pas rassemblé. Là, en revanche, on aurait voulu que le départ au passage soit carrément plus franc. Il y a une petite transition au trot. De profil, ce passage est très joli, mais de face, on a vu qu'il écartait un peu les postérieurs. Ce piaffé, même qualité que le précédent, c'est-à-dire régulier et actif, mais là aussi, on voudrait les postérieurs plus engagés, la croupe un peu plus abaissée pour être vraiment dans le piaffé très classique. Un passage très régulier, comme on peut le voir, mais avec les postérieurs qui s'écartent un petit peu pour lui donner vraiment une bonne note. Un départ au galop qui est bien régulier, qui se passe bien. Un joli galop assez en équilibre. Une queue un peu trop active qui prouve un peu de contraction dans le dos du cheval. Les deux temps. On voit que le cheval a des changements de pied qui sont très amples, qui sont très réguliers, mais il fouille de la queue, ce qui prouve une contraction du dos pour avoir une très bonne note. Ceci dit, il a rempli largement son contrat avec des belles foulées de galop, une belle amplitude, une belle rectitude. Même chose, on voit les grandes qualités de ce cheval avec un temps de suspension magnifique, mais avec un dos contracté, comme le montrent les fouillements de la queue, de même dans la transition. Il pourrait être aussi un petit peu plus fixe au galop rassemblé sur le mort, avoir une tête un petit peu plus fixe. Belle régularité. Ah, une petite faute de compte. C'est rare de le faire dans ce sens-là. Il a fait 7 foulées au lieu de 6 de ce côté-là. On baissera un petit peu la note, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait beaucoup de qualité dans ce galop, dans son équilibre et la régularité du passage de droite à gauche. Là, on voit que c'est un jeune cheval qui a du mal, qui débute au Grand Prix, parce que même s'il ne fait pas de faute, on voit que la croupe est trop haute, la queue
qui foie, il montre la contraction du dos. Donc on pourra être aux alentours du 6, il sera difficile de monter au-dessus malgré l'absence de faute. Le cheval prépare la pirouette, on le voit bien, pour avoir la tête un petit peu plus haute. En revanche, il prend... Il y a de bonnes qualités dans cette pirouette. La cavalière est très habile, elle a réussi à le faire sortir bien droit. Ce changement de pied, tout à fait bien, un tout petit peu traversé à la sortie. Cette pirouette, le cheval plonge un petit peu dans les deux premières foulées. En revanche, se redresse ensuite, ce qui est quand même un bon mouvement puisqu'il est relativement mal commencé, mais bien terminé, ce qui est positif. Une transition un petit peu incertaine où le cheval s'est un tout petit peu bloqué pour une bonne note. La même chose, encore un cheval extrêmement expressif, ça c'est magnifique. En revanche, si vous regardez bien, il couvre très peu de terrain, donc ne pourra pas avoir une très bonne note. Il ne se sera qu'une assez bonne note. Cheval qui est vraiment très élégant. Avec du charisme. Un passage très expressif, mais vous voyez combien les postérieurs se balancent de droite et de gauche, ce qui est un petit défaut d'engagement, donc il baissera un petit peu les points. De même au piaffé, et là sur ce piaffé, on souhaiterait qu'il y ait un petit peu plus d'élévation des antérieurs. En revanche, il a gardé sa régularité et il avait le nombre de battues, donc c'était bien. Les transitions étaient bonnes. Là, il se balance un tout petit peu trop, mais par contre, une belle énergie. Un arrêt qui manque un petit peu de stabilité pour avoir une très bonne note. Il a mis longtemps à se stabiliser, néanmoins un bel arrêt. Pour moi, c'est un cheval qui a un grand avenir, parce que c'est un jeune cheval, parce qu'il a vraiment des potentiels pour faire un très beau Grand Prix. Il a encore quelques petites contractions dans le dos, des postérieurs parfois pas tout à fait assez dessous dans le rassemblé ou assez en avant dans les allongements. Mais ça, ce sont des petits défauts de jeunesse. Je suis sûr qu'une cavalière de la qualité de Morgane saura les corriger pour faire vraiment un très bon Grand Prix.